Hello, bienvenue sur la chaîne GN Créa. Aujourd'hui, on se retrouve pour un haul nose de fin janvier. Après la date précise, je m'en rappelle pas. Excusez-moi. J'espère que vous allez bien. Et on commence tout de suite avec un haul nose. Donc, de la beauté et du loisir créatif. Et un peu de rangement. Donc, je vais commencer par ce que j'ai sur moi. Donc déjà j'ai fait une manicure comme ça, donc ceci, vous allez me voir maquiller un peu pareil sur plusieurs vidéos là, voilà, donc voilà ma manicure, blanc noir, avec des paillettes et des strass, voilà, et du coup je suis maquillée avec ce que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent, le lip balm, le calendrier de l'Avent de Max & More de chez Action. Donc j'ai mis ce lip balm là. J'aime bien, ça me va bien je trouve. J'ai pris, pareil dans le calendrier de l'Avent, j'avais eu le mascara Height Definition Sculpt et Volume de Max & More de chez Action. Un gros mascara comme ça. Et ensuite, j'ai eu ce petit eyeshadow. Donc là, j'ai mis le rose très clair. Le rose très clair qui est là. Le orange et le violet comme ça. Un peu prune. Voilà pour les yeux. J'avais mis un crayon que j'avais aussi dans la box, dans le calendrier de l'Avent de chez Action. Donc, on passe tout de suite au haul. Donc, j'ai trouvé pas mal de choses, de vernis de la marque Bella Oggi, Kiko et P2. Donc, je vais commencer par ça. Non, pas P2, China Glaze. Donc, de chez China Glaze, le Nail Laker vernis à ongles, il y en a 14 ml, je sais pas la couleur, si, 10-48 blonde pomsel, je sais pas, donc celui-ci, voilà, donc je crois que c'est 99 centimes il me semble que c'est 99 centimes ces vernis là, donc le China Glaze, voilà. Avec des paillettes dorées. Voilà. Là, ce que j'ai en paillettes, c'est le 1 des P2 plutôt. En paillettes. Je vous ferai voir dans une prochaine vidéo. Mais je l'avais pris il y a bien longtemps dans un autre haul. Voilà. Donc 99 centimes. Je vais vous faire voir quand même la couleur. Voici. Donc sympa. Il paraît que c'est des bons vernis, donc pour l'instant j'ai pas testé, donc je peux pas vous dire les China Glaze, donc je vais bientôt le tester je pense, et j'ai pris celui-ci, donc lui c'est le China Glaze Shine Nanigan 13-19. Pareil, je vous fais voir, là c'est des comme des paillettes un peu holographiques, plein de paillettes. Voilà, on va pas trop voir. Mais bon, je voulais vous faire voir quand même les couleurs un peu. Donc, voilà. Donc, on testera. Hein. J'aimais bien les couleurs. De la marque Bella Oggi, donc j'ai pris un bleu, il l'appelle comment eux ? L'auto, non, j'ai pas la couleur. Bon, ah si, là. Silent Blue, le 42. Donc, c'est un gel effect. Enfin, si j'arrive à l'ouvrir, ah oui, c'est que des fois j'ai pas de force dans les poignets donc. Un beau bleu comme ça, voilà,
voir. Donc là, ils étaient à 89 centimes, je crois. 85 centimes. Voilà. On voit bien. Voilà, un bleu comme ceci. Et là, c'est le Glacier Grey. Donc, c'est un... La teinte 53 à 85 centimes, c'est un... Où il y a un gris, mais très clair. Voilà. Donc, voilà pour ça. Ensuite, de la marque Kiko. Alors, j'ai trouvé le... Je sais pas s'il a une teinte. Je crois pas, je le vois pas en tout cas. Le Nail Laker, donc vernis à ongles Kiko de la marque Make of Milano. Là, j'ai pas de couleur. C'est ce jaune là. Voilà, très joli jaune pour l'été. Ça va être super. Et j'ai pris un vert un peu pastel à 99 centimes. Oui, un vert un peu comme ça. Vert pastel, on va dire. On va dire même plus d'eau un peu, je sais pas. Je ne saurais pas comment le qualifier. Pour toujours la beauté, de la marque Action, j'ai pris deux masques. Donc, un masque qui se met en une minute, un masque anti-âge au cranberry. Donc, mélangez un sachet de 8 g de poudre avec une cuillère à soupe d'eau dans un bol jusqu'à l'obtention d'une pâte lisse. Pardon. Appliquez ensuite sur votre visage ce masque au cranberry et à la délicieuse, oh bah dis donc aujourd'hui, odeur de fruits rouges à base de polyphénol et tocotiénol. Reconnu pour les vertus antioxydantes. Votre peau sera protégée du vieillissement cellulaire, nourrie et hydratée. Laissez agir 10 minutes et rincez à l'eau tiède. Il faut éviter le contact avec les yeux. Voilà. Et c'est made in France. Donc j'ai pris, voilà, l'Action. Celui-ci. Et j'ai pris le masque purifiant aux algues. À 89 centimes, pareil. Oui. 89 centimes. Et c'était pareil, il faut mélanger. Appliquer ensuite ce masque à base d'association d'algues laminaires et spiruline et de prêle sur le visage et le cou. Voilà. Les laminaires sont enrichis en minéraux, la spiruline source de vitamines A et C et d'acides aminés et la perle tonifiante. On débarrasser la peau de toutes ses impuretés, la laisser fraîche et nette. Et il faut laisser agir 10 minutes et rincer à l'eau tiède. Pareil. Donc voilà, je trouvais que 89 centimes pour tester, ça pouvait être pas mal. Je vous dirai ce que j'en pense. Pour continuer dans la beauté, à 89 centimes, je me suis trouvé cette pince-là. Alors, je sais pas si on va voir. Mais elle a des paillettes. Si là, on voit un peu. Voilà. Voilà, là, on voit aussi. Donc elle est noir pailleté. Donc c'est de la marque Glamour Style. Glamour Paris. Donc voilà, à 89 centimes, de toute façon. Et des petites barrettes comme ça. J'aimais trop un peu le côté un peu motif graphique un peu de la des pinces. Voilà. Et toujours 89 centimes. Et il y en a 1, 2, 3. 4, 5, 6. Non. Si. Oui, c'est une garantie. Bon, ok. Donc voilà. Pour la beauté, c'est tout. Et si. Ça fait partie de la beauté quand même. Des pinceaux de Nail Art. Donc c'est pas pour moi. Je les ai pris pour une amie. Donc on va dire que. C'est pour elle, donc ils étaient à 3,50 moins 80 je crois, mais voilà, elle les avait vus sur ma chaîne, donc c'est passagère du temps, donc si tu passes par là je te fais plein de bisous et je te dis que j'ai trouvé tes pinceaux, donc voilà. Ensuite j'ai trouvé ce petit pushing, il est trop mignon, rose comme ça, rose et violet à 99 centimes. Donc c'est un pochine
J'aimais trop. Il a été pas cassé avec son petit donut. C'est trop mignon. Et ton pastel, il va aller derrière dans mon décor. Voilà. Ensuite, un rayon créatif. Bah, tout ce qui est création. Donc, à 79 centimes, je me suis pris deux trucs de tulle qui font 6 inches et 10 yards. Et pareil, et c'est de la couleur cream, donc pourpre. J'aime bien les couleurs. Voilà. Bon, je m'en occuperai après de ranger tout ça. Je suis désolée pour le bruit. Je pense que c'était à... Je sais plus si celle-là, elles étaient, oui, je crois, en réduction. 59 centimes moins... je ne me rappelle plus. Mais je sais qu'elles étaient en réduction. Donc voilà, des petites fleurs oranges comme ça, un peu pour le printemps. 21 pièces. Et de la marque Hobbycraft. Voilà. Ça, c'était en réduction, c'est sûr. À 99 centimes de la marque Arce. Des petits tags. Je crois qu'ils sont passés à moins 80 ou moins 30. Je ne me rappelle plus. Pas moins 30, moins 50 ou moins 80 ou moins 60. Et donc du coup, il y en a dedans 36 pièces. Des tout petits tags comme ça. Voilà. Je trouvais ça trop mignon. Toujours de la marque Arce. Donc ceci à 3,99 moins 50 ou 80, je ne sais plus. Ça valait le coup. Ou 60, je ne sais plus. Il y en a 14 pièces. Donc j'ai pris ceci avec ce dies là. Et celui-ci avec les lanières, je l'avais déjà vu hein, avec l'alphabet. Donc voilà. Ensuite, de la marque des pots de Breeze. Donc c'est 12, c'est 90 ml. Et c'était 99 centimes moins... Je ne me rappelle plus. Mais ça les faisait vraiment pas cher, donc j'ai repris un bleu. Donc ça c'est Ultramarine Blue, Outre-mer du coup, bleu Outre-mer. Et là c'est Grey, donc c'est Silver, donc c'est argent. Pareil, 99 centimes, moins je sais plus combien exactement, je suis désolée, mais ça valait beaucoup, beaucoup, beaucoup le coup. Ça, donc ça c'est moins 60 il me semble. Donc à 1,50€ moins 60, donc j'ai trouvé du bleu en peinture acrylique, du bleu céruléum et du terre de sienne brûlée. Voilà. Une marque Loisirs Créatifs Xika. Voilà pour ça. De la marque Creative Expression, je crois, non? Je ne sais plus. Je ne sais plus la marque. Creative Expression, oui. Des petits embellissements en résine. Il y en a 12 dedans. Donc noir comme ça. À 79 centimes. Je me demande s'ils sont pas passés moins chers. Ce tampon là que j'ai bien aimé est Weave Little Love. Avec voilà. I'm Grow With Love. Tout ça, Just Because, tout ça. Je sais pas, je pense pas l'avoir pris à 99 centimes, mais je crois qu'il était moins cher aussi. Ensuite, c'est de la marque Dovecraft. À 99 centimes, un rangement, donc c'est 4,8 litres, mais c'est pour ranger, donc des boîtes de pliables quoi. Mais 99 centimes, je me suis dit que ça valait le coup, même si c'était trop petit pour ranger le matériel. Voilà quoi. C'est pas mal. Et pour finir, à 50 centimes, donc il y a un cœur, il y a un carré, il y a une pancarte, je sais pas trop ce qu'il y a, des ballons, des machins, je sais pas trop ce que c'est. Mais j'ai pris ça, donc 50 centimes, en bois. Voilà. Voilà pour mon haul Lose de fin février. Donc n'hésitez pas à me donner vos avis, vos envies dans les commentaires, à liker cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à ma chaîne si mes vidéos vous plaisent,
à cliquer sur la petite cloche pour recevoir mes notifications. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.